Boker Tov, on est dans le premier Kitsur Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Kaf Het, Ilchot Nesiat Kapayim, dans la page Resh Nun Aleph Yaakov. Alacha Yud Het, Mechanchim Gam Betaktanim, Shealu Laduchan Lisa Kapehem Yahanim Agdolim, Mechanchim Otam Gam Bivracha, En Kan Hashash Bracha Levatala. אבל קטן לא יישא כפיו כשהוא כהן יחיד בבית הכנסת, רק אם יש שם גם כהנים גדולים, הקטן יישא כפיו עם הגדולים. ואם יש שם כהן אחד גדול וכהן אחד קטן, אין השליח ציבור מקריא כהנים. ורק כשיש לפחות שני כהנים גדולים, אזי השליח ציבור מקריא כהנים. כן, אני דן להלכה דה נשיאת כפיים. Même le katan, on doit l'éduquer à Nesiat Kapayim, qui monte au Dukhan avec son père, qui fait la bracha et qui fait Nesiat Kapayim, il fait le Birkat HaKohanim. Mais lui tout seul ne pourrait pas. Attends, laisse-leur parler. Aval, mais si maintenant le katan, lui, il est seul. C'est un seul Kohen. Quand lui, il est dans la Beit Knesset, il ne pourra pas monter. Seulement s'il y a des autres Kohanim qui sont grands. Par exemple, il y en a un grand Kohen. Il peut monter avec lui. Et si maintenant il y a un Kohen Gadol, Vekohen, un Katar, le Shaliach Tzibur, il faut savoir. Quand il y a deux Kohanim, le Shaliach Tzibur, lui, il dit Kohanim. D'accord ? Il y en a qui répondent, ils disent Am Kedoshecha Kehamo. C'est pas Hayab. Par ailleurs, mais il y en a qui ont le minac de répondre comme ça. S'il y en a deux Kohanim, mais s'il y en a un grand Kohen et un petit Kohen, le Shaliach Tzibur lui ne dit pas Kohanim. Oui, non, voilà, il y a des Kohanim. Non, mais il ne compte pas le petit. Il ne compte pas, non. Parce qu'il est moins que 13 ans. Quel est le inyan de dire Kohanim? Il faut les appeler. Ils sont déjà là. Kotomal Nachon, non. Comment? Ils sont déjà là. C'est même qu'ils sont déjà là. Kotomal Nachon. Il faut appeler le Kohanim. Il faut appeler. Yesh, il y a une de la Torah. Yesh, il y a de dire Kohanim. Le Akri, la M. Pourquoi le Kohen, tu crois qu'il vient d'être maintenant? Le Kohen, depuis qu'il est petit, lui, il sait dire Yavar Echecha. Comment, pourquoi nous, on est Makri au Kohen? Il y a une mitzvah de l'Akri, la Kohen. Mila, ben Mila. Et lui, il répond. Verak, Sheyesh, Lefachot, Shnei Kohanim, de l'Ume seulement, si maintenant il y a deux grands Kohanim. אז לשליח ציבור לו ידי כהני. יש נוהגים שכהן רווק אינו עולה לדוכן נישא כפיו בברכת הכהנים לפי שהכהן המברך את ישראל צריך שיהיה שרוי בשמחה וטוב לבב. ואמרו חז"ל בימות בבמות. כל השרוי בלא אישה שרוי בלא שמחה. ובמה ושמחת אתה וביתך. אני יודע לא רב. יונה כאיזון למנהג כסי un homme qui n'est pas marié, qui est Kohen, qui ne monte pas au Dukhan. Pourquoi? Parce que quand le Kohen, lui, il est Mevarech l'Israël, il faut qu'il ait Bessimcha. S'il n'est pas Bessimcha, il ne peut pas être Mevarech. Ça dépend des gens. Voilà. Non, ça veut dire que quand il est Bessimcha, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont tristes? Ils ne sont pas mariés automatiquement? La phrase suivante. Je dis le Rav. Et ils ont dit Chachamim dans la Maseret Yebamot, un homme qui est sans femme, qui n'est pas marié. Marié avec le mariage, Alken Yazov et Aviv et Timov, Vetaval et Ishto, Yul et Bassar et Had. Et Had, il n'y a rien qu'après le mariage. Avant le mariage, il n'y a pas Bassar et Had. Et quand il est Bassar et Had, ça s'appelle Simcha. C'est ça qu'il dit. Ils ont dit Chachamim Behemot, un homme qui est sans femme, il n'est pas marié. S'il est marié, et s'il a une femme, il n'est pas marié, c'est quand même ça s'appelle Beno Simcha. Alors, un homme qui n'est pas marié, il est sans Simcha. C'est pour cela qu'ils évitent de que le Kohen lui monte tant qu'il n'est pas marié. C'est-à-dire qu'il ne monte pas. Ils n'ont pas fait un chilouk entre avec qui on s'est marié et avec qui on ne s'est pas marié?
Quelqu'un qui est marié et divorcé, tu veux dire? Non, quelqu'un qui s'est marié avec une et quelqu'un qui s'est marié avec l'autre, lui il est Bessimcha, lui il est Bessara. Pas. Non, il est dit selon le type de femme, en fait. Ah, tu veux dire qu'il est marié et puis sa femme, elle est. Il souffre de sa femme. Non, il faut savoir si un homme. Lui, il est quand même un homme que lui souffre avec sa femme de ce monde-là, il a gagné des matouas. Bien sûr. S'il est Mekabel Be'ahava. C'est difficile, c'est vrai. C'est facile à parler, c'est difficile à. Si maintenant elle a l'Yirat Shamayim, mais elle est dure. Si il baisse sa tête, les Shem Shamayim, Pas parce qu'il a peur de sa femme. Mais attends, pourquoi il a peur? Attends, il y a un homme qui même qu'il a peur. C'est l'Ol Shem Shamayim. Aval, sauf, c'est l'Ol Ishma, il y a bon Ishma. Après, il faut qu'il travaille comme l'Avdil. Il y a une histoire qu'elle raconte. Il y avait un goy. Lui qu'il a rencontré une femme, mais elle était Doukassite. Doukassite, ça veut dire une femme qui est la haute classe, non? La haute classe, mais de la ville. C'est par exemple comme le gouverneur de la ville. Doukas. Ah, c'est-à-dire une noble. Noble, très noble. De son et père. Lui, il a vu. On parle, c'est des histoires que ça fait des années, 60 ans, 40, 100 ans en arrière. Et il l'a vue, et elle était très belle. Il a dit, je veux te rencontrer. Elle lui a dit, au cimetière. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle a dit, écoute, après 120 ans, peut-être là-bas, mais maintenant, non. D'accord? Mais lui, il a compris, rendez-vous au cimetière. Il est parti au cimetière. Et il est resté là-bas, il attendait une heure, deux heures, une journée, il voit qu'elle ne vient pas. Bon, il doit dormir, il a mis sa tente. Il attend un jour, deux jours. Il a commencé à faire des réflexions. Où il se trouve? Il regarde le cimetière. Il regarde à la fin de la vie. Un homme, il doit y aller là-bas. Tous, on se rencontre là-bas. Il commence à faire des réflexions. Ces réflexions ont commencé à s'accrocher à Boré Olam. C'est qui? Il dit à Boré Olam. Je suis moi seul. Comment ça penser? Etzemze, le fait que lui, il a été mithaber avec Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, il a eu kemo shriyat Ashrina. Ashrina, elle est venue en lui. On ne parle pas quand il était dans le Bet Gorot. Il était en extérieur, il attendait à la porte. Parce que dedans, ça, c'est faire attention. La Haredi Asoul, la Loun, le Bet Gorot. C'est tout. Mais on parle que c'était un non-juif. Et on n'a pas le droit de dormir dans le Bet Gorot. Ah bon? Monsieur, c'est parfois, il y en a un qui s'est fâché avec sa femme. Ouais, c'est vrai. Il a donné à Zdaka, il est parti de Rome dans la. C'est il a entendu les deux filles qui parlaient. Voilà. D'accord. Okay. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, maintenant, il avait sa tente là-bas. Et puisque la Shrina, après, elle a commencé à. Parce que lui, il pensait à Yehud Hashem. Il commençait à. Hein, il dit bénis-moi. Il est béni. Alors demain il vient et dit, ta bracha, Baruch Hashem, elle a exaucé, etc., etc., ça a commencé à se propager, et les gens, ils venaient, ils faisaient la queue. Il est devenu un mevarech. Alors, c'est pas l'ishma. Voilà, à la fin, ça devient l'ishma. Oulam, minag, bechol, eretz Israël, vigilotea, shegam, kohen, rabak, nosek, kapav, selon le minag, à l'eretz Israël, et là, l'entourage de l'eretz Israël, qu'un Kohen, même qu'il n'est pas marié, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Birkat HaKohanim. Et celui qui est Mahmir, va Mahmir, Bezen, Oroye, Ela, Minamat Mihim, Shechum, Abali, Dekulahi, Yanimna, Milisa, Kapav, Mafsid, Mitzvat, Asse, Minatora, Hashuba, Keshalosh, Mitzvot, Asse, Lefichar, Kohanim, Shebaou, Mirchutz, Laaretz. ממקומות שנהגו שרווקים אינם נושאים כפיהם, הואיל וזכו לעלות לארץ ישראל, חייבים לנהוג כמנהג ארץ ישראל לשא כפיהם. ולא יעבדו בידיים מצווה יקרה וחשובה זו. בפרט שכן פסק מרן השולחן ערוך, שקיבלנו הוראותיו, אברך יישא בהלכה מאת השם. רואים די, סימנון לכהן לוי בית מחמיר. Il dit non, tant qu'il n'est pas marié, le Kohen, il ne veut pas bénir. Ça, c'est parmi ceux-là qui doutent.
La halakha, elle est que oui, qu'on peut Kohen Ravak, Kohen qui n'est pas marié, de faire des siat kapayim. Et ça, c'est une chumra qu'elle emmène à une kula. C'est dommage, Kohen. Parce qu'un homme, que lui, il évite de faire birkat akohanim, que lui qui est Kohen, que lui qui a été zoché du mitzvah tassé, que c'est considéré comme trois mitzvah tassé, c'est une mitzvah qui est très élevée, c'est dommage. Bien. Lui, il perd, et Am Israël, il perd. Et déjà, en Eretz Israël, quel minak de Wit Bevaretz. Pour cela, un homme comme lui qui vient Mechus Laretz en Eretz Israël, lui, Baruch Hashem, il veut prendre la halakhot de Eretz Israël comme il faut. Lui, il doit faire Birkat HaKohanim. Et Chas V'Shalom, de perdre une mitzvah très chère. Kohen ben 13 shana af she'en yadua imivi ben se'arot. Olo noset kapav yachidi b'derech akray. Ve'im en sham kohen acher elahu yachol isab kapav b'gviut. Ve'en mishivot ktanot shekol ha'tamidim tzairim sh'terem nimalu zkanam rashai kohen ben yud gimel shana lisa kapav afilu b'gviut. Av shenimsa imahem rab o mechaner ve'en aminag. מה שאמרו, שכהן שלא נתמלא זקנו לא יעלה לדוכן בגביעות, היינו כאשר רוב הציבור אנשים שנתמלא זקנם, אבל בישיבות קטנות שכולם בני גילו, שבאדם יש שיעלה לדוכן אף בגביעות. ואיפה סבוע, יאיסי דו הלכות, ספק כבוד הציבור, ככן כאן, מהם כדי שליח ציבור פאיזון, או איסי כמובן דו כהן, כדפיים בר. C'est pas quoi d'Asibou que le Shalia Sibou ou le Kohen qui monte au Dukhan qui n'a pas une barbe. Surtout pendant les. Shalia Sibou, on parle aussi. Oui, c'est bien. Mais Yamin on est mahmiri pour cela. Mais ici, on parle maintenant de la halakha. Maintenant, est-ce que oui, on tient cela dans la halakha, oui ou non? C'est la question. Mais c'est pas Kavod. Mais c'est pas Kavod, quand on a un zakan, c'est pour le tzibour. De nos jours, il y en a des poskim qui veulent dire que de nos jours, puisqu'on n'est pas makpidim, alors même quelqu'un qui n'a pas le zakan, non nitman les zekano, comme un bachou, c'est pas quelqu'un qui se rase. On parle de quelqu'un qui n'a pas de barbe, il est jeune. Alors c'est là qu'avoir un tzibour, que quelqu'un qui est. Lui, il est jeune et puis tous ils sont âgés. C'est là qu'avoir. Comme une fille. Même qu'elle peut rendre quitte dans Mikira Megillah, c'est le cas de Sibou qu'une fille elle rend quitte. Seulement s'il n'y a pas de choix, que la fille maintenant, il n'y a pas d'autres personnes, tous ils sont vieux, ils ne savent pas lire. Et elle, c'est la seule, bas de séminaire, elle sait bien lire. Elle peut rendre quitte tout le monde, elle, en condition qu'ils mettent même un rideau, même s'il y en a qui disent qu'il faut mettre un rideau. Même qu'il y en a qui veulent dire Kol, Isha, Erva. Chez nous, ça ne s'applique pas dans ce cas. Il faut qu'elle chante pour que ce soit herbe. Même dans cela, avec l'état amim, elle peut faire. Mikra Megillah avec l'état amim, elle peut faire. Tout ça, c'est il y a des dagot, il y a une sada al-acham, une sada din, et l'ipni mishua d'adin, cela qui va être plus mahmir. Plus que cela, il y a des kol isha berva, kol berva isha. Col, Isha, Erva. D'accord? Mais c'est Col. Il y en a qui disent pas le chant. Pas avec le chant que ça s'appelle Erva. Sa voix. Sa voix. Ça, c'est Col. Col, c'est la voix. D'accord. Ils sont très mahmir sur ça, les Ashkenazis. Nous, on est le Rav Vadia Yosef aussi. Il n'est pas mahmir dans cela, là, au niveau que si maintenant tu ne connais pas la femme, et même elle chante, tu ne la connais pas. Il l'autorise. Il faut savoir ces histoires là qu'on entend, ces histoires, c'est des histoires que. Pas voulu dire. On lui doit dire. Si vraiment. Il m'a dit hier ça. Hein? Il m'a dit hier ou avant-hier, il m'a dit ça. Qui? Mon fils. C'est des histoires que ça court dehors, mais est-ce que ces histoires elles sont vraies? Il faut être dedans, il faut poser les questions dedans. Pas entendre des histoires et de vivre des histoires de dehors. Okay? Excusez-moi. Il faut savoir que Klish Rishon Mevachel, un Klish Rishon, il cuit. Un deuxième Klish Sheni, un Klish Sheni, l'homme Mevachel. Si tu as entendu d'une deuxième bouche,
C'est peut-être, il y a un émet qui est un peu détourné. Il faut savoir vraiment comprendre du premier accord. Il ne faut pas vivre des histoires. Il faut être concret. Il faut y aller chez un arabe que lui qui est concret. Tachlès, comme on dit chez nous en Israël. Ça veut dire concret. Est-ce que vraiment cette halakha s'applique pour moi? Vous savez que si un homme, lui, il a la tête ailleurs, si maintenant il entend une femme, même qu'il ne la connaît pas, et sa tête, elle est comme ça, c'est assourd d'entendre. Il fait peut-être même un issur Torah. Même qu'il ne la connaît pas. C'est une mauvaise pensée, ça. Voilà. Personne n'y aimait dire ça. Ok. Alors maintenant, on est maintenant dans le... Aussi, il y a une deuxième halakha ici, au niveau de Beth Seharot. Ok. Pour que lui qui l'a, il est mitzvah tassé de la Torah, okay, pour Ola par exemple, Aliyat Adouchan, il faut qu'il a deux poils. Il faut que papa, lui, voit s'il a ses deux poils dans l'endroit. Et lui, il est méhid. Il dit, voici, il y a deux poils. Puisque ça est doute, c'est une doute. Mais là, le petit, lui, il est déjà Beheskat Gadol. Il est Gadol, excusez-moi. Mais si maintenant, lui, il a 13 ans et un jour, papa, il n'a rien vu, okay, et bien, c'est Chazaka que lui, il est Gadol. Chazaka. Alors maintenant, il nous dit le Rav ici. Même si le Kohen, qu'il a 13 ans et un jour, c'est Chazaka que lui, qu'il a deux poils. Même que nous, on ne sait pas qu'il a deux poils. Quand même, il peut monter au Dukhan, faire Nesiat Kapaim, faire Birkat HaKohanim, Be Akraï. Vas-y, Akraï, provisoire. Akraï, c'est le hasard. Akraï, c'est provisoire. Mais Imen Sham, s'il n'y a pas Kohen, à part lui, lui, il peut quand même monter au Dukhan Big Viout, tous les jours. Pourquoi le Rav, il n'a pas mis sur le Gadol, parce qu'il a 13 ans et un jour, pourquoi il n'a pas mis sur le Gadol la responsabilité de dire si tu n'as pas de poils, tu ne vas pas et tu ne vas pas faire la brasa. C'est la chota part. La chota, est-ce que nous on peut. Comment le petit peut aller devant le Dukhan et faire la brasa? Non, c'est pas que. C'est Chazaka que lui il a deux poils. Chazaka. Pour les autres. Non, mais pour lui. Pour lui, pour le cadre. Mais c'est pas Chouacher, lui. Si lui. On parle de nous lui, maintenant. Lui il monte au Sefer Torah. Lui il monte au Dukhan. Est-ce que nous on répond Amen? Et lui il peut faire Birkat HaKohanim? Oui, pourquoi? Hazaka, que lui, ça, il a deux poils. Mais même si lui témoigne sur lui-même, on pourrait le croire. Non. Non? Un homme, il ne peut pas témoigner sur lui-même. J'ai compris, mais par rapport à ce cas-là, non plus. Un enfant, avant, il était Beheskat Katan. Mais non, il va Beheskat Gadol. Non, mais sachant qu'il a déjà une Beheskat Gadol, le fait qu'il nous coupe, qu'il le confirme lui-même. Ça serait pas valable non plus. Adam Korvet Salatsmo, il ne peut pas maintenant être aide, témoin. Quelqu'un peut témoigner. Alors maintenant, pour le sortir, Michlal Katan et Michlal Gadol, pour un témoignage. Il ramène aussi, le petit, il a 9 ans, il a 2 poils. D'accord, Chalak Obaour. Il sort de. Non, il faut 13 ans et un jour et 2 poils. Ouais, sinon, ce n'est pas un Gadol. 13 ans et un jour et 2 poils. Mais c'est Chazaka que lui qu'il a deux poils. Chazaka. Oui, pour les deux. Pour le Kahal. Pour le Kahal, bien sûr. Alors maintenant, si maintenant il n'y a pas d'autre Kohen à part lui, il peut tous les jours monter Birkat HaKohanim. Vechen est aussi dans les Yeshivot Tanot, que là-bas, ils sont tous jeunes. Ils ont 13 ans et un jour, 13 ans et demi. Et ils n'ont pas encore des barbes. Quand même le Kohen, il a 13 ans et un jour, il peut faire Nesiat Kapaï. Et même Bekviout, tous les jours. Pas Beakraï. Même si maintenant il y a son Rav devant. Arrête, s'il y a son Rav, comment lui maintenant il va faire Beakraï de Kohanim? Lui, il est petit, il est jeune. C'est l'Okavod, Mishum Arav, il n'a pas la barbe. Okay? Et quand ils ont dit Ken. Okay? Selon la halakha, qu'un Kohen, seulement s'il a une barbe. Alors là, il monte, Bikviout. Il peut monter tous les jours.
quand c'est, on parle de Rov Tzibour, que la majorité de Tzibour, ils ont des Zganim. On parle des gens qui sont adultes. Mais si maintenant ils sont dans des Yeshivot, et dans la Yeshiva, là-bas, la majorité, c'est des jeunes, alors, même qu'il y a un Rav, alors le Shaliar, le Kohen, lui, il peut monter au Dukhan, Bikviyut, tous les jours. Qu'est-ce que c'est monter Béakraï? Un jour, oui. Deux jours, non. Mais si, il est là, le petit. Tu ne veux pas lui dire, regarde, tu es monté, tu dégages. Lui, il connaît la halakha. Il est censé à connaître la halakha, le Kohen. Vous savez, Birkot HaKohanim, c'est pas... Il y a des Kohanim qui ne savent même pas la halakha. Ils montent avant Retsé. Ça sourd, ils montent avant Retsé. Ça sourd. Bon, il y en a qui montent avec des souliers. Il y en a qui font Birkot HaKohanim... D'une façon, ils ne savent même pas quand il faut se retourner. Il faut savoir, si tu es Kohen, de savoir bien bien la halakhot. Il faut savoir quand tu dois être pochette et yadecha. Quand tu mets tes mains et vers la fin de la bracha, tu étends tes doigts. Tu sais, voilà, la shrina, elle passe à travers le Kohen. Je n'ai pas compris le richard là. Quand est-ce que il fait derech akraï? Quand tout, la majorité des Kohanim, des gens du Tzibour, excusez-moi, ils sont grands, ils sont adultes. Ça veut dire que lui, qu'il est petit, oui. Arrête, la différence entre eux. Il y a, si maintenant, arrête, quelle est la question ici? Aïm, puisque l'on nit malazgano, on s'affecte qu'il nit malazgano, s'affecte si maintenant il a un zakan. Okay? Est-ce que lui qui doit monter... Et faire Birkat HaKohanim Big Viyut ou Beakraï. Si maintenant, Ken, le Rov, qu'il est, si à le Tzibou, la majorité, Ken, eux, ils sont grands, ils sont adultes, lui, il n'a pas le droit de monter au Dukhan tous les jours. Et là, Beakraï. Mais quand il te dit, Be'im en Sham Kohen Acher Lahou, Attends, en général, il y a des Kohanim. Voilà. Il y a 3-4 Kohanim. Kohen, 13 ans et un jour. Deux jours. 13 ans et demi. Il n'a pas encore de parents. Il peut monter dimanche, lundi, tous les jours. Non. C'est pas Kavod au Tzibour que lui, il monte. Il n'y a pas de Kohanim. Même ces trois, ils ne sont pas là. C'est le seul Kohen. Dans la Beta Knesset, il peut monter tous les jours au Dukhan. Donc comment tu entends? Il y a des simanim, bien sûr. Hein? On parle, non, ici on parle dans la Shéla qu'il n'y a pas de simanim. D'accord, ok. C'est rien que, même lui, il dit, c'est bon, vas-y, c'est bon, etc. C'est bon, on ne compte pas de son sens. Ne sait être capable, yéhidi, bederech akraï. Yéhidi. Ve'im en shan, shan kohen acher elahu, bekviout ou yachon. Aval, mais s'il y en a plusieurs... Où Yachol dit sa capable, Yéhidi Bederech Akraï. Ça veut dire quoi? Que les autres Kohanim le laisseraient à lui. Attends, où tu es là maintenant? Excuse-moi. C'est la première ligne. Donc il y a plusieurs Kohanim dans l'assemblée. Il y a un enfant de 13 ans et un jour. Et les Kohanim, ils lui laisseraient de manière exceptionnelle, de temps à autre. Non, c'est être capable, Yéhidi Bederech Akraï. Mais c'est Bederech Akraï. Seul. Il est seul. Il n'y a pas d'autres Kohanim. C'est le seul. S'il n'y a pas d'autres Kohanim, c'est la suite. Ve'imenshan Kohen Acher. Ve'vium. Comme s'il y avait plusieurs Kohanim dans le premier cas. Oui, le Rav, soi-disant, il se répète ici. C'est vrai, il se répète. Il dit là, Akraï et Gviout. Hop, regarde. On répète la halakha. Kohen, ben, 13 shana, af, en, yad, en, shen, yadoua, emi, bi, seharot, olo. Il peut monter seul. Arrête tout le problème, il est où? Où est le problème? Le problème, il est si maintenant c'est le Kohen, c'est le seul Kohen dans le Beta Knesset. Il a 13 ans et un jour, et c'est pas sûr que lui, il a des inbound. D'accord? C'est pas sûr qu'il a des une barbe. C'est pas Kavod que lui, maintenant, il rentre, il va faire le 4 Kohanim aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Beakraï. Vas-y, Beakraï. Yéhidi, ça veut dire quoi? Seul. Alors, maintenant, il peut pas monter. Alors, maintenant, s'il y a d'autres Kohanim, Beakraï. S'il n'y a pas d'autres Kohanim, il peut monter Gvidvio. C'est comme ça, là. Chazakabou.